Bonjour. Pour moi, Pop fut un retour en arrière de plus de 20 ans et mes années d'école d'art. L'œuvre de Lichtenstein, pour moi, représente Pop dans toute sa dimension. Explosif, coloré, festif et le pop art. J'ai donc proposé aux petits de s'immerger dans différentes œuvres du pop art, où on retrouve toutes ces dimensions. Avec l'œuvre de Haring, les enfants pouvaient faire rebondir les personnages, allumer le mobile, avec des musiques choisies par les parents, et les faire danser. Avec l'œuvre de Burton Morris, ils ont pu aiguiser leur sens avec l'odeur du pop-corn, appuyer sur le buzzer pour écouter le bruit du pop-corn qui explose, toucher le pop-corn, le faire bruisser, et pour la plus grande, le goûter. Avec l'œuvre de Jasper Jones, nous retrouvons ces trois couleurs primaires très fortes auxquelles j'ai ajouté les ventouses que nous pouvions tirer pour avoir le petit pop et recommencer indéfiniment. Enfin, avec l'œuvre participative des parents, nous retrouvons Andy Warhol et ses couleurs qui vibrent. Et bien sûr, nous ne pouvions pas finir sans mettre la main dans le pot de peinture. Des petits attirs en herbe ont vu le jour.